Salut Gaëtan. Salut. Tu vas bien? Très bien, merci. Ça se passe bien. Je suis au plus heureux de ma vie. Hein. Ben déjà, je te remercie de m'accueillir, moi et mon équipe, dans ta maison. Ça fait plaisir. Tu te doutes un peu pourquoi on est là? Je me doute, oui. Oui. Oui, tu veux savoir? Je crache le morceau ou tu craches le morceau? En fait, c'est moi qui vais dire, hein, parce que ça me tient beaucoup sur le cœur, et j'ai une passion, en fait, c'est le foot. Le foot, mais dans le foot, tu comprends, je suis assez haut placé, on va dire, dans le foot. Enfin, c'est-à-dire? J'ai un petit pouvoir dans le village parce que, effectivement, oui, je suis entraîneur de foot pour les enfants. Donc les parents viennent, ils ramènent leurs enfants et on fait du foot. Minimes? Diablotins? Oui, c'est ça, hein. C'est ça, c'est les minimes. Les plus jeunes, je préfère. Au plus c'est petit, au mieux c'est, hein, parce que c'est des perles de la vie, quoi. On me donne des perles, et ça me touche parce que, en fait, j'ai pas de femme. Pour être sincère, j'ai pas de femme. Et le foot avec les enfants, ben, c'est un peu quelque part... Ça comble un vide, c'est ça que t'essaies de nous dire. Mais ça, c'est un peu quelque part ma femme. Parce que c'est une confiance entre moi et les jeunes, c'est un amour. C'est des amours. Donc, tu sais ce qui se passe dans l'amour, on avance et on se colle, on s'attache. Mais je me suis trop attaché apparemment. Et là, oui, donc là tu parles dans ton domaine du foot, t'as eu des problèmes judiciaires, c'est bien ça? Ouais, oui, en fait, j'étais tellement proche. J'étais tellement proche des enfants que je faisais des bisous à la fin du match. Ça commençait par un petit bisou. Viens Frédéric, un petit bisou. Ou allez Noah, on fait la tape dans 5. Tu vois, c'est l'amour. Bon, après ils prenaient leur douche. Et alors? Quand ils prenaient leur douche, c'était difficile parce que quand t'as une femme... En général, entre nous, le DJ est touché, quoi. Enfin bon. Et voilà, donc, du coup, avec les petits-enfants, comme c'est un amour très fort, j'avais une pensée du zizi. Mais tu comprends quand même pourquoi t'as eu des problèmes suite à ça? Pour moi, je leur fais pas de mal. C'est de l'amour, quoi. C'est tout joyeux, c'est tout petit. Mais t'as toujours envie d'aller plus loin, d'aller plus profond. Mais bon, apparemment, ça pose problème. Les parents m'ont dit, Gaëtan, ça va mal se passer, hein, si tu exprimes trop d'amour. Mais là, tu es encore dans le club maintenant, Gaëtan. Ben non. Donc, j'essaye. Beaucoup de gens sont avec moi parce qu'ils... Ils me disent comme... je comprends pas trop le terme, mais... un malade, on va dire. Mais je suis tout simplement moi-même. Et les enfants m'aident, me rassurent. Et là, comment tu t'en sors sans les enfants, alors, pour l'instant? J'en chope un ou deux dans la rue, quoi. Tu te rends compte de ce que tu me dis, là, Gaëtan? Tu me fais rappeler un peu du chagrin, quoi. Tu filmes, c'est... Ouais, excuse-nous. Mais on va te laisser, Gaëtan. Ben, merci pour cette petite entrevue. C'est difficile. Ben, je te souhaite de régler tes affaires avec la justice.